احنا اكتر من 15,000 عامل بالهيئه، كلنا عيله واحده، بايدينا نبني مستقبل بلدنا. احدث تكنولوجيا العلم بنستخدمها هنا، خبره اكتر من 40 سنه، الدقه والمهاره هي اكتر حاجه بنتميز بيها. 13 مصنع حاصلين على اعلى شهادات الجوده العالميه. مصانعنا في الهيئه بتكمل بعضها علشان نوصل لافضل جوده. الامن والامان هم اهم اهدافنا. اختبارات وظروف شاقه يعدي عليها اي منتج. احنا فريق بيحقق هدف مهما كان صعب. L'Organisation arabe pour l'industrialisation, l'AOI, a été fondée en 1975 dont le but est d'établir une base industrielle arabe évoluée et suivre les exigences contemporaines dans les domaines militaires avec la participation de l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. En 1979, l'entière responsabilité a été confiée à l'Égypte pour gérer l'organisation, avec des règles qui ont permis aux pays arabes de la rejoindre à tout moment. Avec le temps, il a été prouvé qu'une vision claire comme établir un système de qualité intégré qui comprend une main-d'œuvre hautement qualifiée et soutenue par des laboratoires avancés ont permis à l'organisation arabe de posséder 13 usines. Une usine aéronautique, des usines de moteurs, usine SOC pour les industries de pointe, usine CODR pour les industries de pointe, usine CIMEF pour le matériel de chemin de fer, usine d'électronique, usine Helwen pour les industries de pointe, compagnie arabe britannique pour les industries dynamiques, compagnie arabe britannique de moteurs, usine Atico pour les industries en bois, compagnie arabe pour les engrais organiques, et ainsi que la compagnie arabe pour l'énergie renouvelable. En outre, l'AOI est en grande partie co-entreprise de la compagnie arabe américaine de voitures avec Fiat Chrysler International. L'Organisation arabe pour l'industrialisation travaille dans divers domaines militaires et civils. Fabrication militaire. L'industrie aéronautique. L'AOI a une expérience exceptionnelle dans ce domaine. On a produit l'avion Kohera 300 comme type d'avion égyptien intercepteur supersonique, ainsi que plus de 350 avions de type Gomorrah pour l'entraînement primaire. En outre, on a produit plus de 60 avions turboréacteurs d'interception de type Kohera 200. La dernière réalisation dans ce domaine est l'avion d'entraînement avancé K-8E. On a produit plus de 120 avions de ce type à l'organisation. L'un des avions d'entraînement est plus récent qui a rejoint le service dans les forces armées. C'est un avion chinois qui a été développé en Égypte. Il a été amélioré à plusieurs reprises qui ont ébloui les fabricants de l'avion. Il est spécialisé par la grande puissance dans le contrôle de la main-d'œuvre, utilisé dans les fonctions de soutien au sol, le fuselage est fabriqué localement avec un pourcentage qui dépasse les 94%. La révision générale et la réparation de fuselage et de moteurs des avions. Ces activités comprennent le démontage pour identifier les défauts et les dysfonctionnements suivis par les opérations de réparation et de montage et de peinture, et tous les essais au sol et aérien sur les avions avant de les retourner aux forces armées. L'organisation effectue aussi la révision générale des moteurs à turbine et pistons pour les avions à voilure fixe, comme le Tokano, MiG-21, le Mirage, Buffalo, Alpha Jet et l'avion de cargo militaire C-130, ainsi que les hélicoptères tels que l'hélicoptère Gazelle. Les travaux d'entretien sont effectués sur l'avion sous la licence de la société française Eurocopter. L'hélicoptère Mi-8, Mi-17,
Il est utilisé dans le transport du personnel, des VIP, le matériel, les sauvetages et l'ambulance aérien. L'approbation de toutes les activités dans le domaine de la réparation et de révision générale a été obtenue à travers des sociétés productrices de moteurs ainsi que les organisations locales et internationales spécialisées dans ce domaine. L'organisation effectue aussi la révision générale et la réparation du moteur du char américain M1A1. Véhicule militaire 4x4. L'organisation ARA pour l'industrialisation produit le véhicule blindé FAHD. C'est un véhicule à usage multiple, à une grande capacité pour traverser les terrains difficiles sous toutes les circonstances. On en a produit plus de 15 types, dont le but est de satisfaire les besoins des forces armées. Ce véhicule est utilisé aussi par le ministère de l'Intérieur pour la sécurité de la nation. Il est exporté vers de nombreux pays arabes et africains. Véhicule militaire J-8. L'AOI est le seul producteur de ce type d'engin hors les États-Unis. Ce véhicule est adapté à des routes non pavées, les zones rocheuses et sablonneuses. Il a été exporté vers de nombreux pays arabes, africains et européens. Il peut être armé avec de nombreux systèmes d'armes de différents genres. L'AOI a développé un corps blindé dans ses usines. Les missiles et les systèmes de défense et d'armement. L'Organisation ARA pour l'industrialisation produit et évolue de nombreux systèmes de missiles pour les forces armées égyptiennes et arabes tels que roquette Sa'r, 122 mm d'artillerie, missile de portée de 45 km, système missile Malyutka, anti-char, monté sur une Jeep TJL équipée d'un lanceur multiple à 4 rampes. Lanceur RPG, 7 portées sur l'épaule, peut être utilisé pour lancer 5 types de projectiles. Les équipements électroniques. L'AOI utilise la technologie moderne dans la production et l'assemblage de composants très fins et de micro-précision. Elle produit les faisceaux de fils électriques et les sous-ensembles électroniques pour les avions Tokano, Alpha Jet, Gazelle, K8E en outre, et elle produit le téléphone pour le champ et les tableaux électriques. Quant à la production exceptionnelle de l'AOI dans les industries militaires avancées, ainsi que la question dans notre vie civile contemporaine, voici les détails. La fabrication civile. Les stations de dessalement d'eau de mer. L'Organisation ARA pour l'industrialisation produit des stations de capacité allant de 500 à 10 000 m3 par jour et elles sont caractérisées par leur respect de l'environnement pour leur faible taux de consommation d'énergie électrique. Station de traitement de l'eau de puits. Elle se caractérise par une forte capacité de traitement de l'eau de puits, par l'élimination de sel et de manganèse, de la production d'eau potable de haute qualité et conforme aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Les stations de traitement de drainage sanitaire. L'organisation produit des stations de traitement de drainage sanitaire avec de grandes capacités et de divers systèmes de traitement allant jusqu'à 150 000 m3 par jour. Les stations de traitement des eaux usées industrielles. L'organisation conçoit et exécute des systèmes de traitement de liquides industriels des usines et les traite pour que les sorties correspondent aux exigences de la loi de l'environnement. De nombreuses stations ont été exécutées avec des capacités allant de 100 à 5000 m3 par jour. Les tuyaux en polyéthylène de haute densité. Pour des réseaux de nombreux diamètres allant de 20 mm à 1200 mm et sont utilisés dans les réseaux d'eau potable et de drainage sanitaire et industriel et la distribution de gaz naturel. Les produits en fibre de verre. Ils comprennent les chaises et l'équipement des stades et des salles couvertes, les piscines et les équipements intérieurs pour les véhicules ferroviaires. Le cylindre de chlore de capacité d'une tonne. Les véhicules ferroviaires, métro et tramway. L'Organisation ARA pour l'industrialisation possède la seule usine au Moyen-Orient pour la fabrication de véhicules ferroviaires de divers types, y compris
les wagons de passagers de différents types et classes, les wagons de service, les wagons de marchandises et bogies de tout type et charge, les wagons de métro souterrains, ainsi que les tramways utilisés dans la ville d'Alexandrie, ainsi que la fabrication de pièces de rechange et les accessoires ferroviaires, métro et tramway. Les projets d'énergie renouvelable et les systèmes d'éclairage modernes. L'énergie solaire. On a commencé dans le domaine d'énergie renouvelable depuis 2009. L'organisation a établi la première station pour générer l'énergie solaire, des cellules solaires en Égypte de capacité de 600 kW et qui a été liée au réseau national depuis 2010. Cette station a été conçue et exécutée en utilisant la technologie photovoltaïque de pointe et tracker solaire. L'AOI a fondé la compagnie ARA pour l'énergie renouvelable, ARECO, en tant que spécialiste dans le domaine d'énergie renouvelable en juillet 2013. L'usine a été établie pour la production de panneaux solaires photovoltaïques à productivité de 52 MW par an comme première étape, et cela en collaboration avec de grandes entreprises internationales dans ce domaine. Il est prévu d'atteindre une productivité de 100 MW par an. Pour la première fois en Égypte, elle a mis en œuvre un projet visant à éclairer les deux villages, Halaeb et Chalatin, en utilisant l'énergie solaire ainsi que la popularisation d'éclairage des routes principales en utilisant l'énergie solaire après qu'il a été mis en œuvre avec succès dans certaines provinces du pays. L'énergie éolienne. L'AOI a établi un plan pour le transfert de connaissances techniques à travers des entreprises mondiales spécialisées pour générer l'électricité de l'énergie éolienne. Elle a aussi formé des ingénieurs et des techniciens à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte sur l'installation, le fonctionnement et la maintenance des éoliennes de 1,5 MW. On a installé les deux premières turbines à Zafarana pour produire de l'électricité avec une capacité de 3 MW connectée au réseau national à partir de mars 2013. Système d'éclairage moderne. On a établi une ligne pour fabriquer des lampes LED qui se caractérisent par la faible consommation d'électricité et de productivité, pouvant atteindre 10 millions de lampes par an. L'organisation met en œuvre un projet national visant à modifier les systèmes d'éclairage des rues en utilisant la technologie LED pour tous les gouvernorats de la République. L'industrie automobile. L'organisation ARA pour l'industrialisation produit la voiture Jeep Grand Cherokee et Jeep Wrangler J3. L'AOI produit également beaucoup d'autres voitures en faveur des entreprises internationales, telles que Toyota Fortuner. L'AOI conçoit les équipements de toutes sortes de voitures selon les recommandations des clients, comme la voiture de lutte contre le feu et de sauvetage de tout type, et les voitures de nettoyage des rues, ramassage d'ordures, mais aussi des voitures pour les services médicaux et les véhicules blindés pour le transport de l'argent ou pour les VIP. Les équipements d'investissement et des pièces de rechange. Dans le système de manutention de grains, l'organisation a produit le convoyeur de grains avec une conception égyptienne de 100% ainsi que le silo à grains. L'AOI répond aussi à la demande de tout investisseur dans la conception et la fabrication de lignes de production ou des pièces de rechange. Les serres. Dans le cadre de la recherche de solutions aux problèmes de pénurie d'eau et le manque de terres pour l'agriculture, l'AOI a adopté le projet de recherche avec le ministère de l'Agriculture en utilisant les moyens agricoles et non traditionnels tels que les milieux sans sol, en utilisant des tubes et des pots à travers un cycle d'eau fermée pour l'irrigation, de sorte que la plante consomme environ 20% de la proportion d'eau consommée dans un sol normal, ainsi qu'un doublement de la productivité. Les appareils électroniques. L'organisation produit de nombreux écrans électroniques géants, ainsi que des écrans LED, smart LED, de toute taille, l'ordinateur tablette Proton, en collaboration avec Intel et Polaroid. Des produits en bois.
L'Organisation arabe pour l'industrialisation fabrique les meubles pour maisons et pour hôtels, mais aussi de bureaux. Le service communautaire de l'AOI. Prenant au sérieux son rôle dans le service communautaire, l'organisation a lancé plusieurs initiatives, y compris la formation des techniciens pour le marché, local et à l'étranger. Afin d'augmenter les capacités de défense pour protéger la patrie et les citoyens. Afin d'assurer la sûreté et la sécurité pour atteindre les exigences de la vie civile. Afin de combler le fossé entre l'importation et l'autosuffisance. Selon sa doctrine de continuer à développer les régions arabes et africaines, l'Organisation arabe pour l'industrialisation est la locomotive des industries nationales. L'Organisation arabe pour l'industrialisation, clé de sécurité et la porte de l'espoir.